Une question à présent. Comment les professionnels du tourisme peuvent-ils devenir plus verts? Certains hébergements font déjà des efforts pour obtenir notamment l'éco-label européen avec plusieurs critères très précis. Un seul l'a obtenu dans le Jura, à Bois-d'Amont. En cette journée internationale du tourisme, Fleur de Boeré et Hugues Perret l'ont visité. Ce village de vacances du Haut-Jura prône le tourisme éco-responsable. C'est le seul hébergement touristique du département à avoir un écolabel européen. La direction a effectué des travaux qui permettent des séjours à moindre impact environnemental tout en garantissant un confort optimal. On va avoir un détecteur d'ouverture de fenêtre avec un coupe-circuit au niveau de tout ce qui est chauffage pour ne pas avoir à chauffer à l'extérieur qui se déclenche, qui est centralisé sur notre accueil et qui permet de mieux gérer tout ce qui est fluide électrique et température dans nos chambres. L'ADN de ce centre, c'est le développement durable. Les alaises de lit sont à base de produits recyclés et sont lavables et recyclables. Ici, rien ne se fait sans penser à l'origine du produit et à sa gestion en fin de vie. Et même la clientèle est invitée à participer aux bons gestes. Les accompagner encore, faire un petit peu d'éducation, d'explication. Voilà, nous, ça nous permet vraiment de réduire la quantité de déchets et puis de jouer plus sur la qualité après des choses qu'on va pouvoir proposer, notamment en circuit court, comme le miel du Jura, hein, qui vient de Champagnole, celui-ci. Ici, l'écolabel a été obtenu au mois de mars 2023 et se veut projet commun entre la direction, les employés et la clientèle. Pour le conserver, il faut respecter le cahier des charges et lancer de nouveaux projets éco-responsables tous les 2 ans. Un véritable engagement. Il faut savoir que pour l'écolabel, il y a 67 critères à respecter. Donc il y en a 22 d'obligatoires. Donc ça, c'est voilà, ça peut être éliminatoire. Donc ça, c'est vraiment indispensable d'avoir les 22 critères obligatoires. Et ensuite, sur les 45 qui restent, il en faut 26. Des ampoules éco-responsables aux pailles réutilisables en passant par les bornes électriques. Si les clients ne viennent pas encore spécifiquement pour l'écolabel, il a le mérite de former des touristes éco-responsables et engagés pour la préservation de la nature du Jura et d'ailleurs.